Bonjour tout le monde, je suis content avec vous pour vous présenter une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo, ça nous parle de comment capable insérer graphique sur façon capable illustrer chiffres que vous avez pour capable utiliser dans Microsoft Word. Si vous vous abonnez avant de faire ça, et activer les notifications pour ne pas rater l'autre vidéo que vous pour capable upload sur channel ça. L'en voulait illustrer un concept, nous utiliser un symbole, une photo ou bien une image clipart et parfois nous utiliser forme géométrique pour nous capable faire idée de passer à travers image. Mais là on parle des chiffres, là on travaille avec chiffres pour nous capable illustrer chiffres nous utiliser graphique. Ça nous est le diagramme. Yo. Il y a deux façons capable insérer un graphique dans Microsoft Word et dans n'importe façon ça ou bien vous utiliser Microsoft Excel parce que nous tout connaît très bien que Excel c'est ça le fait bien c'est à faire chiffres qu'il gère. Premièrement, on a déjà un graphique qui yon moun voye pour moi ou bien moi m'te déjà créé dans Microsoft Excel. Là ça m'ka envie utiliser graphique ça dans document là. Non ka utiliser même process copier-coller là que m'pral montrer non rapide et puis on capable faire document nous illustrer normalement par rapport chiffre qu'il gagne là-dedans. Premièrement, ça m'a fait m'a positionner curseur là côté m'vle mettre graphique là. Là m'fini m'aller dans Microsoft Excel m'a chercher graphique là. Ça c'est graphique que m'vle insérer dans document là. Mais normalement, là, on regarde les documents, ça nous a un thème là. Donc, couleur, on regarde dans le graphique là, il reflète le thème que nous avons choisi. Et pour nous avoir un thème, nous avons juste cliqué sur l'onglet mise en page. Nous allons dans le thème, nous avons juste paraître les souliers, nous disons le thème qu'on va utiliser dans le moment, le métro. Souvent, via l'utiliser dans Microsoft Word, juste aller chercher le métro, tout capable de faire le document là, il y a une couleur qui, même genre avec ça, nous avons vu pour dans Microsoft Excel là. Pour faire ça, on juste cliquer sur lui, m'aller dans accueil, on cliquer sur copier. Mais là fin copier, coller à un petit genre un petit truc là-dedans. Qui petit truc qu'il y a là-dedans? Parce que normalement son graphique lié gain plusieurs façons qu'à coller dans Microsoft Word. Pour faire ça, on fait clic droit sur lui. Là, on gain 5 options. Mais en réalité, c'est 3 liés. Première option qui ça dit? Les comme ça, conserver mise en forme non et incorporer classeur là, c'est à dire il prend même thème qui est dans le document maintenant pour l'utiliser, mais il toujours qu'un même classeur Excel là sans façon si m'en vie modifier donner ça. Deuxième barrière, il fait les immons ça conserver mise en forme non. L'homme conserver mise en forme non, il qu'un ni thème qui est utilisé dans Excel là sans façon pour le capable rentrer dans Microsoft Word, mais laisse un gain accès utiliser ni thème non ni données ou m'a envie à le changer après. Troisième option, les utiliser thème non. Mais qui est lié l'ensemble avec données. Là ça, la vie utiliser même thème là et la vie utiliser données, la créer en copie pour son façon leur besoin modifier données ça. Même l'autre là encore c'est seulement ça le fait en plus les conserver thème là tout. Qui avantage option ça gain? Option ça avantage li gain c'est que li bon accès si toutefois yon donné changé automatiquement graphiquement à update, c'est-à-dire si yon côté te gain 10 l'autre là li vinn passer à 11 automatiquement dans graphique là l'a changé. Mais si toutefois yon moun tout ta va prendre fichier ça li déplacer la l'enregistrer l'autre côté ou bien t'a changé non hein, laisse ça Word pas gain accès à li encore ou ka envie accéder à graphique ça ou pas capable. Et nous même comme on travaille avec image là, ça qui est important pour nous qu'on a assez image. De toute façon, en fait, m'a choisi dernière option qui c'est une image. Automatiquement, mon image qui est insérée, m'pas besoin d'inquiéter me délai. Et si m'en cliquer sur lui, c'est faire image, m'joigne une image. Et même si m'n d'avoir tourné là, m'fait contrôle Z manuel, m'fait coller directement là en bas, m'a toujours la même option pour m'utiliser. Si toutefois m'a changé l'idée mon gardien, ah OK, m'plaît ça, m'pas vle ça. Là, comme ce graphique j'aime dit m'plaît là, j'ai une image et moi gagne en fonction des images. Et là que m'gagne une image, m'gagne avantage que m'gagne, m'ka utiliser, m'ka appliquer tout style que moi t'ai gagne pour m'appliquer dans image. Par exemple, m'ka choisir changer style image là, faire le pas dans l'autre façon, mettre là dans un cadre. Ça est toute option que gagne pour utiliser les ou utiliser en image ou ka choisir de réduire le tout. Tout ça aussi option que gagne l'ou a utiliser en image. Et kounya la c'est toute forme pas ta gagne graphique là déjà préparé, mais kounya la on gagne ça qui est les données. Par exemple données ça on a regardé là, on gagne même pas gagne graphique là, besoin c'est graphique là. J'aime dire là de toute façon toujours utiliser Microsoft Excel. Mais on a regardé comment ça fait plus rapide. Premier, ça me fait me positionner côté me voulais créer graphiquement.
Lèm fin posisyonè kote m vle kre grafik mwen an, m ale nan insersyon e m klike sou grafik. Un fwa m fè sa, nan espas ki pare devan m la, li ban mwen list pou m chwazi nan grafik ki prezante yo. Ok, m ap chwazi sa par ekzamp. Ou ka chwazi nèpòt sa ou vle paske list la long, anpil gen plizye tip de grafik. Ou menm wap konnen ki es nan ou vle par rapport domen wap travay la. Lè sa un fwa kou bezwen, sa bezwen am, kom se nan histogram mwen mwen vle, m jist chwazi yon vle la. M klike sou li, lèm fini m klike sou OK. Otomatikman m klike sou OK, la pou vwe Microsoft Excel mwen. Lè l finou vwe Microsoft Excel mwen, nan espas sa li ban mwen yon, li ban m grafik la ki m ka itilize. E la m ka chwazi redwi, grafik mwen an son fason pou m ka fèl paret pi piti, lè m paret nan bodi an, m paret nan ti flèch la, e bi m ap redwi l kon sa. E wala, li tro piti, m ap fon ti agrandi l an plus, son fason pou li yon ti jan paret pi bien. Ok, la m finise grafik la, tout donè m ap gen pou m ka chanje yo, se nan Microsoft Excel m ap chanje yo. E lè pou m gane ki paret la, si m par exemple m gen kategori 1, ou m ekote kategori 1 reflete, la si m ta chwazi ekri kaskad pito. M ekri kaskad, m fè enter. Wot pas kon m fè enter, wap wè an ba ou li de kategori 1 ki ekri, se kaskad ki ekri. Men koun ya, kon m gen tan gen donè yo, m pa oblije retape yo anko. Tout simplement sa m ka fè, m ka jist paret an dan Microsoft Word la, m seleksyonè tout sa yo. M ale m klike sou kopi. M ale nan Excel. M seleksyonè tout sa yo. M efase yo. M fè kole. Kon sa. E wala. Grafik mwen a chanje. Li pran form donè ki m gen yo. La li ban yon indis. Ki di nou kon sa. Men sa se kaska, tout kote ki gri yo se kaska de reprezenté, tout kote ki orange yo se plaj reprezenté, tout kote ki bleu yo reprezenté rivye. Donk grafikman yon refet, menm jan, tout bagay paret korrekt. Kon a lèm fin fè sa, yon gen de opsyon. Se so ki m chwazi an l'enregistre fichye sa, fichye Excel la yon kote pou lèm bezon la kop m tonel, ou bien m jist fè men. Yon fwa m fè men, otomatikman, word tonel normal. Sauf ke selman sa l fè pou mwen, chaque fois moins besoin font modification la donne word automatiquement kembe ou copy copy ça word kembe moins si on veut changer on donne la donne m'a pas changer à l'aise parce que depuis mon fait deux clics sur lui m'a gain accès à aller dans modifier données qui c'est dans onglet contextuel là qui les créations les m'aller la donne m'a gain accès à modifier données encore même les la tourner ouvrir Microsoft Excel moins encore tout le temps mais normalement ça qui est important c'est que au fin créer premier soit fait ou clique sur insertion, deuxièmement ou choisir graphique ou vle a, ou entrer dans Excel ou entrer données ou vle pour graphique ou et puis ou gain accès pour faire tout autre bagage ou vle avec yo. Qu'on a là un cadre onglet contextuel qui disponible pour graphique là. Dans cadre onglet contextuel ça nous gain création, nous gain disposition, nous gain mise en forme qui disponible pour graphique là seulement. On ca aller là tout, m'a changer style là, m'a changer couleur, m'a changer couleur, tout ça me gain qui disponible que moi mon ka appliquer là et tout mon ka choisir dit me pas vle type graphique ça encore m'a choisir l'autre OK on est paraître là on clique sur ça besoin hein? Et automatiquement là clique le paraître normal genre que m'était besoin là c'est ça qui li bon comme avantage le ou choisir insérer graphique là mais qu'on y a qui dit on garde pour le fait que m'insérer graphique là en dans Microsoft Word même avec graphique que m'te copier en image là. Si n'a regardé onglet contextuel là d'abord nous gain trois onglets contextuels pour graphique là mais pour image là nous gain seulement un onglet contextuel qui c'est format. Normalement, mettez ça en tête que okay. Si vous déjà gain un graphique dans Microsoft Excel ou capable juste faire copier-coller vous capable insérer dans Microsoft Word ou gain accès à tout ressources tant que capable prendre ou toujours conserver même fichier Excel là pour capable créer une liaison entre graphique qui dans Microsoft Word là et tout ou capable choisir insérer en tant que image sans raison gain plus moins vous capable travailler ensemble avec lui. En plus de ça pas oublier que thème là qui dans document reflété sous graphique que vous allez utiliser et enfin ou capable insérer un graphique en dans Microsoft Word pour capable utiliser données qui dans Microsoft Word là sans façon où document toujours paraître puis dynamique.
Merci parce que tu as suivi et merci parce que vous pouvez partager la vidéo avec vos amis. Balion like, pas oublier d'abonner si vous faites ça. Bye bye.